Chaque minute, dans le monde, 480 000 tweets sont envoyés, 2,4 millions de snaps, 4,3 millions de vidéos vues sur YouTube, 1,1 million de swipes sur Tinder, 317 000 posts envoyés sur Facebook. Si notre smartphone nous obnubile, c'est que le monde qu'il nous offre est merveilleux. Chaque like vous procure un petit shot de dopamine, une mini gratification moléculaire qui, dispensée à intervalles irréguliers, crée un goût de reviens-y. Ah oui, encore dopamine. Toi, t'as quel âge ? J'ai 10 ans. T'as 10 ans ? Et t'as un téléphone ? Ouais. T'as déjà un téléphone ? Waouh. Et tu fais quoi dessus, toi ? Sur mon téléphone, je regarde YouTube, Instagram, Facebook. C'est ça, faire un diabolo, non ? TikTok. Ouais. Et rien d'autre, je joue. Ok. Et toi, tu mets des vidéos ou pas ? Oui, quelqu'un. Ouais ? Et tu fais quoi sur ces vidéos ? Sur vidéo, je danse, j'ai fait quelque chose, je joue au foot. Ok. Et c'est cool. Et toi, tu sais après qui c'est qui regarde ces vidéos quand toi tu postes les vidéos dessus ? Non. C'est qui regarde les vidéos après ? C'est les personnes qui regardent TikTok. Ok, ça marche. Bah cool, merci. Alors, vous connaissez quoi là-dedans ? TikTok, Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, Snapchat, TikTok, Facebook et puis Snapchat. Ok. Et ah, mais toi, t'as déjà un téléphone alors ? Oui. T'as quel âge ? 9. 9 ans ? Yes. Ok. Toi, t'as un téléphone ? Oui, mais il est cassé. Il est cassé ? Ah mince. T'as quel âge ? 9. 9 ? 11 ans et 11 j'ai ans. Un téléphone. Et t'as un téléphone ? Ouais, mais vous avez tous des téléphones, vous êtes des ouf. Et tu fais quoi sur ton téléphone, toi ? Alors, j'ai WhatsApp et je parle avec mes amis, je joue, je fais des vidéos, je fais des photos. Voilà. Ok. Et tu les mets du coup après sur TikTok, c'est ça ? Non. Non ? Non. Pourquoi ? J'aimerais pas que les autres voient ma vie privée. Ah, ok, ta vie privée, ça c'est bien ça. Et toi, tu fais quoi sur ton téléphone ? Bah, j'ai Snap, j'ai TikTok. Si je vais sur TikTok, c'est pour regarder des danses et que je les apprenne ou que je fais des danses. Okay. Et sur Snap, bah, je parle avec mes amis ou je fais des photos. Okay. Et sur YouTube, bah, je regarde. Et toi, tu mets des vidéos ? Oui, mais ouais. Des fois, je les mets privées. Ok, mais des fois pas. Ouais. Et toi, tu sais qui c'est qui regarde ces vidéos ? Bah, des fois je mets que mes abonnements, donc ouais. Ceux que je suis abonné. D'accord. Et des fois je les mets public, mais genre je mets pas un peu ce que je fais dans ma vie. D'accord. J'essaie de préserver ça. Ouais. Ok. Parce que des fois t'as vu des gens qui s'exposent un peu trop, bien. Ils montrent un peu trop leur délire de ce qu'ils font à la maison et tout. Ouais. Et des fois c'était bizarre ou bien. Bah, des fois c'était rigolo ou des fois c'était bizarre. Ok. Et d'après toi, il y a quelqu'un qui contrôle un peu tout ça ? Est-ce qu'il y a genre la police des réseaux sociaux ? Tu vois ce que je veux dire ? Des gens qui contrôlent les réseaux sociaux ? Oui, pour moi, c'est mes parents. Ah ouais, pas mal. Non, et tes parents, ils t'interdisent du coup de faire certaines choses ? Non. Sur le téléphone ? Eux, ils regardent pas ce que tu fais sur le téléphone ? Non. Non ? Mais de toute façon, je sais que je vais pas faire des trucs extra tôt. Voilà. Ouais. Et t'es déjà tombé sur des trucs bizarres ? Oui. Ouais ? Oui. Quoi, par exemple ? Bah, des trucs où en fait ils disaient qu'aujourd'hui il y aurait des gens qui vont venir violer les filles de moins de 18 ans. Non, mais en fait c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai, mais genre des trucs comme ça. Ah ouais. Genre, tu vois, toi t'as 9 ans. Ouais. T'as l'impression que t'as commencé à quel âge ? TikTok ? Ouais, tout ça. Bah, Snap, j'ai commencé il y a pas très longtemps. Ok. Et je suis déjà fan. Et TikTok, j'ai commencé dès que j'avais mes 7 ans. Enfin, 8 ans. 8. Et tu utilisais le téléphone de tes parents ? D'abord de ma mère, après je l'ai pété, après à nouveau à ma mère, je l'ai repété. Et maintenant, j'utilise la tablette, mon téléphone. Ok. Et téléphone à ma mère. Et quand, sans qu'elle le sache. Et quand que c'était Ah oui, elle le sait pas ? Ouais, elle sait pas que j'ai fait un compte sur son téléphone. Quand tu lui demandais son téléphone quand t'avais 7 ans, ouais. Elle savait que t'allais sur les. Oui. Ces trucs. Oui. Ouais. Et elle est là aussi. Ça dérange. Elle aime pas TikTok. Elle aime pas TikTok. Ta mère. C'est pour ça qu'elle m'a laissé que à mes 7-8 ans. Je sais plus. Ok. Et tu trouves qu'elle est souvent sur son téléphone ? Oui, souvent. Elle joue trop. Elle fait des jeux ? Ouais, elle fait des jeux genre. En fait, si tu veux, il y a des arbres et elle clique dessus, il y a des trucs. C'est nul. Toi, t'as quel âge ? J'ai 14 ans. 14 ans ? Ouais. Et qu'est-ce que. Toi, t'as un téléphone ? Ouais. Qu'est-ce que tu utilises sur ton téléphone ? Bah, j'utilise Snap. Ouais. TikTok pour regarder les vidéos. Ouais. YouTube.
Facebook, j'utilise pas. Instagram, j'utilise. Ouais. Et toi, tu... Et House Party. C'est quoi? House Party. Ah, je connais pas, c'est quoi ça? En fait, c'est une application où on peut faire appel avec des amis. Ouais. Pour faire des jeux de société okay. dans le jeu. Ok, House Party. Ouais, House Party. Ok, stylé, faudrait que je le rajoute alors. Et toi, tu postes aussi des choses sur tes réseaux? Ouais, Snap, je fais des stories. Ouais. TikTok, je fais des vidéos. Ok. Mais pas de moi, des autres vidéos. Ouais. Et YouTube, je regarde des vidéos. Ouais. Instagram, je fais des photos. Ok. Et Facebook, je te pas. Ok. Mais t'as un compte Facebook? Non. Non? Ok. Parce que souvent, on m'a dit, ouais, Facebook, j'y vais pas, mais j'ai quand même un compte. Mais... J'ai pas de compte. Et toi, par exemple TikTok, quand tu postes une vidéo, ouais. est-ce que tu mets, là tout à l'heure, il y a une fille, elle m'a dit, tu peux mettre soit pour tes abonnés, ouais. soit pour public. Ouais. Toi tu mets public, tu mets abonné. Moi je mets public moi. Public ? Ok. Et puis toi tu sais qui c'est qui regarde ces vidéos ? Ouais, tout le monde. Tout le monde. Et après, bah, s'ils aiment la vidéo, ils mettent un like. Ok. Et après, bah, ils mettent des abonnés. Ok. Ils t'abonnent, alors compte, ils mettent des commentaires, commentaires gentils, ils partagent leurs vidéos avec leurs potes. Ok. Et si, je prends l'exemple, d'un coup il y a un gars qui te met un commentaire méchant, tu fais quoi? T'as un moyen d'intervenir ou pas? Bah non, je dis juste que c'est bon, si tu n'aimes pas la vidéo, bah pourquoi tu regardes mes vidéos, pourquoi tu mets des commentaires, c'était quoi? Et s'il commence à t'insulter? Bah je le bloque. Ah tu peux bloquer? Ouais. Okay. Et est-ce que t'es déjà tombé sur des vidéos, je sais pas, par exemple là sur YouTube? Ouais. Est-ce que t'es déjà tombé sur des vidéos un peu bizarres des fois? Ouais. 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 Quoi par exemple? Des vidéos des filles quoi. Des filles? Ouais. Mais ça sur les autres réseaux aussi? Ouais. Snap aussi. Des stories. Ouais. Et sur TikTok. Elles font quoi elles font quoi par exemple? Par exemple, en fait, ils font des vidéos. Ouais. Et après, bah, ils mettent des stories. Ok. Et les stories, c'est quoi? Et des stories, bah, en fait, c'est des gens qui mettent des stories pour avoir des vues. D'accord. Okay. Et faire les feux aussi. Faire les feux. Ok. Genre, les feux, c'est quand on s'envoie des trucs, les fois, les flammes. Par exemple, si on a plus de 100 flammes, bah on est bien amis, genre on est plus que amis. D'accord, ça marche. Cool. Et qu'est-ce que tu utilises le plus? Vraiment, là, c'est ce que tu utilises le plus de ces applications? Des fois, genre quand je suis chez moi, rien à faire, ouais. je suis sur TikTok, regarde des vidéos. Okay. Ou des fois, je snap. Ouais. C'est un peu, c'est, de toute façon, c'est cela que tu regardes le plus. Quoi. Ouais. Voilà. Okay. Et YouTube, j'aime bien aussi. Ok. Et t'as eu ton premier téléphone à quel âge? À 11 ans, je crois. À 11 ans? Ouais. Okay. Et toi, tu trouves c'est quoi l'âge qui est bien pour avoir un téléphone? 12 ans. 12 ans? Toi, tu penses 11 ans, c'était un petit peu trop tôt? Ouais, 12 ans. 12 ans, c'est bien. Des fois, genre, t'as 12 ans, t'as besoin que tes parents t'appellent pour savoir où t'es, ce que tu fais. Mmh. Ouais, 12 ans. Et d'après toi, les parents, ils voient, ils savent un petit peu ce que vous faites sur les téléphones ou pas? Ouais, des fois ils regardent le téléphone. Ouais. Des fois, toi, ils contrôlent un petit peu ou pas? Ouais, des fois ils regardent. Des fois ils prennent le téléphone, ils regardent un petit peu ce que tu fais. En fait, chaque soir je le mets devant la porte. Chaque soir en fait, j'ai obligé de le mettre dans le meuble d'entrée. Ouais. Comme ça, voilà. Ok, ok. Mais les week-ends, je dors avec mon téléphone. Voilà, alors dis-moi, t'as quel âge? Bah, j'ai 12 ans, bientôt 13. Yes. Et qu'est-ce que tu utilises là-dedans dans ces logos? Bah, j'utilise YouTube et TikTok. Ok, les deux? Oui. Pas d'autres? Non. Mais est-ce que tu les consultes, les autres? Les consultes, non. Est-ce que tu les regardes? Non. Ça, tu regardes pas? Non. Hein? Non. Non plus? Ah, si, ça, si. Ça, ah, Twitch, c'est quoi si. Ça? Ça, c'est une plateforme de streaming. En fait, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est le côté artiste, humoriste et surtout. Sur les artistes, parce qu'en fait j'aime bien le dessin, mais je dessine pas trop bien, mais j'adore voir les créations des gens sur TikTok, parce qu'il y a des gens très talentueux dessus. Parce qu'en fait moi j'ai cru que c'était des vidéos, mais en oui. fait il n'y a pas que ça. Ah non, justement, en fait c'est des vidéos où ils peuvent montrer un concept, tout ce qu'ils veulent, genre vraiment il y a de tout, parce qu'en fait avant c'était n'importe quoi par rapport à ce que tu suivais, ça mettait ce que tu suivais. Mais maintenant au début de l'application tu peux choisir ce que tu veux en particulier. Du coup, moi, j'ai mis avec les artistes, avec les animés, alors les mangas, tout ce qui est ça, j'adore, et les humoristes. Du coup, il y a juste ça sur la plateforme TikTok. C'est. Et du coup, sinon sur YouTube aussi, c'est je regarde mes youtubeurs préférés. Okay. Il y a de tout, il y a du jeu vidéo, il y a du bricolage, il y a de tout. Okay. Et encore une question, c'est est-ce que toi, tu mets du contenu là-dedans? Non.
Je peux pas. Toi, tu ne peux pas. Mes parents, ils veulent pas. Ah, ok, donc il y a un contrôle des parents. Non, ouais, okay. Exactement, j'ai pas le droit. Et tout à l'heure, je discutais aussi avec un jeune, il me disait que ses parents, tous les soirs, ils regardent son téléphone. Ah, moi aussi, on contrôle mon téléphone. Ouais, on regarde parce qu'ils veulent pas que je regarde des choses pas de mon âge ou des choses comme ça. Du coup, ils contrôlent à chaque fois. D'accord. Mais sinon, s'il te plaît. Et question encore, à quel âge tu as eu ton premier téléphone? Mon premier téléphone, je l'ai eu il y a pas longtemps, à mes 11 ans. Je venais d'avoir mes 11 ans parce qu'en fait, normalement, je devais l'avoir maintenant, juste maintenant, à mes 12 ans. Mais en fait, mon frère, il a été très gentil pour mon anniversaire. Avec sa mère, ils ont fait une petite cagnotte pour moi et ils ont acheté un téléphone. Et à quel âge tu penses que c'est bien d'avoir le premier téléphone? En vrai, le premier, moi, je pense pour moi, le maximum, je pense, c'est 12 ou 11 ans. 12, 11 ans. Parce qu'après, en dessous. Hein? Et ceux qui ont en dessous? Après, en dessous, ça, 11, c'est ça va. Mais après, genre, à partir de 19 ans, c'est qu'ils peuvent parfois, par exemple, il peut y avoir des pubs qui sont pas de leur âge. Moi, je suis déjà tombée sur une pub pas vraiment choquante, mais pas vraiment de mon âge, sur des zombies et tout. Ok, ouais. Et du coup, après, il y a aussi des applications, par exemple, qu'on devrait pas utiliser. Par exemple, TikTok, moi, j'ai pas forcément le droit. Ça va partir de 13 ans, 14 ans, mais... C'est juste parce que j'aimais bien le contenu qu'il y avait dessus que je suis venue, ou YouTube aussi. Parce que sur l'application, tu dis qu'il y a un contrôle de l'âge? Oui, normalement. Ok. Et c'est à partir de quel âge? C'est à partir de 13 ans, je crois. Ok. Quel âge tu as? 13. 13 ans. Et qu'est-ce que tu connais ici? Tu peux me montrer ce que tu connais? Insta. Ouais. Twitter. TikTok. Facebook. Snapchat, Instagram et YouTube et Twitch, Reddit et c'est tout. C'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce que tu fais sur ces réseaux? Qu'est-ce que tu fais sur ces applis? Sur Insta, je poste. Ouais. Non, pas trop en fait. Ok, alors dis-moi, tu dragues du coup sur ces réseaux? Non. Non, non? Jamais? Jamais. Ok, et tu fais quoi sur ces réseaux là? Sur Snap, je fais des feux, je parle avec des amis, j'ai des groupes, voilà. Sur YouTube, j'écoute de la musique. Sur Reddit, je connais juste, mais j'utilise pas. Twitch, non plus. Insta, j'ai déjà dit. Twitter, j'utilise pas. TikTok, j'utilise juste pour passer du temps. Et voilà, regarder des vidéos en boucle. Et voilà. Et Facebook, j'utilise pas. Et Reddit, tu connais donc tu Ouais, c'est des vidéos. En fait, j'ai vu sur Squeezie. Sur Squeezie, là, il a fait une vidéo sur Reddit. Okay. Et c'est tout. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de police de ces réseaux sociaux? Je pense, ouais. Ouais, ouais. Parce que par exemple, imagine, toi, c'est quoi par exemple le réseau que tu utilises le plus? Toi, où tu mets le plus de choses dedans, c'est quoi? C'est quel réseau? Que je passe plus de temps, c'est TikTok. Non, où tu mets toi des trucs dedans? Que toi tu mets Rien du tout, je mets rien. Toi, jamais tu mets des trucs? Non, je mets des stories, c'est tout, des sur Insta. Sur Instagram? Et sur Instagram, par exemple, imagine, c'est une question, hein. Si quelqu'un il t'insulte sur Instagram, sur une photo que t'as mis, tu fais quoi? Soit j'ignore, je sais pas en vrai. On m'a jamais insulté, donc je peux pas savoir. Mais si, imagine s'il y a quelqu'un qui t'insulte. Bah, soit je l'ignore, soit je lui dis pourquoi tu m'as insulté. Soit. Il continue. Je le propose en tête. Ok. Et du coup, si par exemple ça commence à devenir méchant, genre le gars il commence à. À menacer? Ouais, à te menacer. Tu fais quoi? Bah, je lui dis viens à un endroit et après on se tape. Ok. Et si tu sais que c'est genre un gars qui a 40 ans, qui est connu pour être. Pour vraiment vénère, tu vois? Tu fais quoi? Ça appelle des gens et pas la police, j'appelle pas la police. Ah, à aucun moment tu en parles avec quelqu'un? Ouais, mais. Avec qui? Avec les grands de mon quartier. Ouais. Et les gens de mon âge aussi. Okay. Ça, en fait, ça dépend. Si c'est un plus grand que moi, vraiment plus grand, j'appelle les grands du quartier. Si c'est un gars de mon âge, bah, j'appelle des gens de mon âge. Okay. S'il est vraiment méchant. Est-ce que t'as déjà vu des vidéos, des photos qui étaient un peu bizarres sur ces réseaux? Ouais. Des gens qui se tuent, qui se suicident. Et c'est tout, hein. Et toi, ça t'a fait quoi?
Tu crois que c'est vrai ou pas? Il y a des vidéos, je crois que c'est vrai. Il y a des vidéos, non. Toi, t'as quel âge? 57. 57. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça? Toi, t'as quoi là-dessus? Qu'est-ce que tu connais et qu'est-ce que tu as sur ton téléphone? Ben, Facebook, ouais. 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 Ça, tu connais Snapchat? Ouais, ouais. Mais tu l'as enlevé, ouais. Tu disais. Ouais. Ok. Et t'en as un autre? L'oiseau, je l'ai. Twitter? Ouais. Ça, tu l'as, toi? Ouais, mais je ne l'utilise pas non plus. Ok. On est amoureux de ça. Tu connais ça? Je connais pas. Je connais pas. YouTube? Ouais, YouTube, ça, je l'ai, oui. Tu utilises aussi? Ouais. Ok. Et puis, bah voilà, c'est déjà pas mal, hein. Ça, tu connais aussi? Non. Ok. Et toi, tu mets du contenu aussi, des fois? C'est-à-dire que tu mets des... Tu mets des choses que tu écris dessus aussi? Pas écrire des photos, je mets. Okay. Et qu'est-ce que tu regardes principalement dessus? Bah, Facebook, je regarde tous ceux qui sont des copains, tous mes copains que j'ai sur Facebook. Okay. Ils mettent des photos, ils mettent des comment on appelle ça? Des écrits. Ouais. En français, il me répond. Est-ce que vous parlez anglais, voilà, monsieur? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces réseaux? Je lui dis, ça va, laissez tomber main. Et vous ne voulez pas me répondre, parce que c'est pas... Ben, j'en pense qu'il y en a qui sont bien, il y en a qui ne sont pas bien. C'est vrai? Alors, lesquels ils sont pas bien? Ben, le jaune. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais pas, déjà, un, je ne sais pas l'utiliser, puis deux, je n'ai jamais aimé. D'accord. Et puis, ceux qui sont bien, ils font quoi, du coup? Eh ben, YouTube, c'est pour aller chercher des chansons, je vais assez souvent, j'aime bien. Ouais. Et puis Facebook, parce que je l'utilise avec des copains, j'ai que des copains sur Facebook. Et puis voilà, quoi. Et d'après toi, est-ce qu'il y a des gens qui contrôlent ces réseaux? Non. Non. Si tout d'un coup, toi, t'es sur Facebook, il y a quelqu'un qui t'insulte. Non, mais ça m'a arrivé des histoires comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, je l'enlève de ma page. Français, excusez-moi, je parle pas bien français. Du coup, il peut plus te... Voilà, ouais. Ouais, j'ai enlevé mon frère parce qu'il me faisait chier avec son... Oui, ça veut dire sa religion. Ok, d'accord. Autrement... Merci beaucoup. C'est bon.